Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour un swap. Ça fait super longtemps que j'en avais pas fait. Du coup voilà, j'ai été chercher le colis hier. C'est un swap avec Fanny. Donc vous la connaissez tous presque, hein. J'ai déjà fait plusieurs swaps avec elle, plusieurs échanges. Donc celui-là on le prépare depuis je crois le mois de janvier. Donc ça fait très longtemps. Donc voilà. Donc j'ai... Il est énorme, il est gros, il pèse lourd. Donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos de Fanny, hein, comme d'habitude. Donc il y a une petite carte donc, que je lirai après en privé, comme il y a écrit sur l'enveloppe. Donc on va commencer tout de suite. Donc là on n'a pas mis de numéro, on n'a rien mis. Voilà, on a dit on met comme ça. Et puis voilà, donc j'adore le papier cadeau déjà. Franchement, je sais pas du tout. Je crois. Ah oui, c'est les boîtes de chez Action. C'est les petites boîtes comme ceci qui étaient dans ma wishlist. Je les trouve trop jolies. Donc ça, c'est super bien pour mettre des bijoux et tout. Donc merci, merci. Alors, je prends celui-ci. Ça a l'air d'être une palette, mais on va voir. Hein. Mais... Ah, mais t'es folle. Comment te dire? Eh, mais elle est tarée. C'est Too Faced, la fun fétiche, c'est ça qu'on dit? Oh, mais t'es folle. J'ouvre déjà, voilà. Ouf. En plus je la voulais. Ah, bon, l'opercule est tombé, c'est pas grave, je ramasserai après. Elle est trop belle. Il y a le petit miroir cœur. Regardez-moi ça. Elle est trop jolie. Oh là 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 là. Merci. J'adore. Merci, merci, merci. Je suis trop contente. Ah, je ramasse l'opercule. Merci, 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 merci. Je suis trop contente. Après, j'arrive pas à deviner là. C'est pas normal. Ah, j'aime trop les soirs. C'est quoi? Ouh. Ah, c'est ma fée clochette. Alors, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Oh, elle est trop beau. Elle est trop belle. Oh, elle est trop belle. Regardez. J'adore. Oh, elle va aller avec ma petite collection de ces clochettes. Oh, décidément. Tout qui tombe. Ah, c'est le... Ah, trop bien, ça. C'est le... Ah, une clé USB en forme d'ananas. Ah, j'adore. Trop bien. J'adore. Merci, merci, merci. Il promet, hein. Il y a deux trucs, on dirait. Peut-être des palettes. Ah, c'est... En plus, j'ai pas pris de ciseau. Ah, si, il y a un ciseau, là, ça va. Je vais devoir l'utiliser. Ah! C'est la palette de chez Nose. Mais je... Hop. Mais je crois que je t'avais dit que je l'avais pris. Mais c'est pas grave. Merci, merci. Un autre paquet. Ça, c'est des vernis. C'est des vernis. Alors. Alors, alors. Ah non, même pas. Elle a mis en plus plein de choses dans un paquet. Donc il y a un petit baume à lèvres comme ceci. Et je vais pas l'ouvrir parce qu'il est operculé, il est fermé. Donc trop mignon. Et c'est à quelle odeur? Watermelon. Au melon, ça doit sentir trop bon. Ça c'est pareil, c'est le gloss pendant la période de... Vous voyez, ça fait avant Noël qu'on préparait ce swap du coup. Pendant la période de Noël. Non, c'était pendant les soldes ça.
Du coup, ah, il y a le scotch. Donc, du coup, pareil, je vais pas l'ouvrir. Donc, ça, je le voulais. Elle m'avait dit qu'elle me l'avait pris, donc ça, je savais. Alors, il y a lip gloss de chez Yves Rocher. C'est le Clémentine Épice. Je crois que c'est celui que j'ai le moins aimé de chez Yves Rocher. Mais c'est pas grave. Je l'utiliserai quand même. Moi, je l'utilise toujours. Hein. Donc, ça, c'est pas grave. Merci, merci. Donc, ouais, en fait, on le prépare ouais, depuis un moment. Hein. Ouais, il est vide le paquet que j'ai jeté. Ça, ça a l'air d'être une palette. J'arrive pas à deviner là. Oui! Ah, trop belle! Ah, c'est des palettes, je la voulais celle-ci. Trop jolie, c'est IDC Color Makeup. Elle est trop belle. Totalement mes couleurs, j'adore. Merci, merci. Après. Qu'est-ce que c'est que ça? Un miroir, comme ça on dirait, mais je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah mais je suis complètement à la ramasse. Oui, ça c'est le petit sticker avec clochette, trop beau, j'aime trop. Et ça c'est le dessous de vert Sailor Moon, il est trop beau. Il est trop beau. J'adore, elle est trop belle. Merci, merci. Alors là, il y a 50 millions de trucs. Hein. On dirait des rouges à lèvres. Ah ouais, il y a plein de trucs là. Ah oui. C'est le lot de rouges à lèvres de chez Tonton Ali. Bah, je vais pas tous vous les swatcher et tout parce qu'il y en a pas mal. Mais bon, si après vous voulez des revues, vous me dites. Hein. Donc voilà, il y a des rouges. Il est trop beau celui-là. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais il y a beaucoup de rose et de violet. Il y a deux un peu orange, rouge. Donc celui-ci. Donc ouais. Si vous voulez des swatchs ou des revues sur. Dites-le moi, je vous ferai voir. Voilà. Parce qu'il y en a pas mal. Donc je ne vais pas vous les faire voir un par un. Sinon, on est encore là. Vous voyez les couleurs un peu. Voilà. Donc merci, merci. Je suis trop contente. Alors, je sais pas du tout, j'arrive pas à deviner là. T'as mis trop dans un paquet. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. C'est Make Up Révolution. Donc on a le. C'est où les numéros? Je sais pas. Non. Bref, non, c'est là, je crois, pas paradis. Ouais, c'est les noms, en fait. Donc là, c'est un rose comme ceci. Là, c'est un nude. Mais je sais pas si c'est les mats ou pas. Non, je pense pas. Là, c'est un violet. Trop beau. Oh là 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 là. Mais c'est pas les mêmes, tout à fait. Pareil, si vous voulez des revues, je vais pas swatcher ou autre, mais... Ils sont trop beaux. Merci, merci. En plus, j'en ai eu un dans le swap avec Isabelle. Et c'est un mat, par contre, franchement, ils sont top, top, top. Ils tiennent de fou. Ça, c'est un peu un rouge corail, on dirait. Ils sont trop beaux. Donc, merci, merci. Donc, si vous voulez des swatchs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des revues. Alors, là, ça a l'air d'être une crème ou crème pour les mains ou autre. Hop, je vais mettre ça là. Ah oui, c'est la crème pour les mains de chez Lavera. Et cela, j'avais eu un petit échantillon dans une box. Et j'avais vraiment kiffé cette marque. Elle est super bien, elle hydrate super bien. Donc je suis trop contente de pouvoir la retester. Je suis trop contente. Cranberry bio et huile d'argan bio. Franchement, cette marque, si vous ne l'avez pas testée, franchement, testez-la. Elle est géniale. Moi, j'avais vraiment aimé. Ça, on dirait les palettes de chez Nose que je lui avais demandé si elle les trouvait. Parce que moi, je les avais pas trouvées. Du coup, je pense que c'est ça. Hop. Oui, c'est ça. Je suis trop contente. Donc, de chez Technique Fashionista. Je suis trop contente parce que moi, je ne les avais pas trouvées. Oh, elle est trop belle. Regardez-moi ça. Oh là là. Elle est trop jolie. Oh,
Merci, merci, merci. Je suis trop contente. Ça y est, les enfants. Oui. Il n'y a pas de place. Donc ça, je pense que c'est l'autre. Oui. Oh, elle est trop belle. Oh là là, les couleurs. Papa, papa, papa. J'adore. Merci, merci. Elles sont trop belles. Franchement, en plus, je crois qu'elles coûtaient une misère et elles sont top. Donc, trop contente. Merci. Je sais pas. C'est un kit de la marque Technique. Donc, il y a des ombres à paupières, des crayons. Trio bronzant. Donc voilà. Merci, merci. Donc, ouais, je suis contente. Merci. Alors, j'avais pas trop envie de prendre ce gros paquet-là, Yves Rocher. Mais on va le prendre. Yves Rocher. Donc, déjà, voilà. Elle sait que j'adore Yves Rocher. Donc, de chez Yves Rocher, la crème pour les mains poire cacao, celle-là, j'adore. J'adore, j'adore. Donc, c'est l'édition de Noël, mais bon, comme je vous disais, on le prépare depuis longtemps. Donc, lait pour le corps. Et gel lavant pour les mains. Donc, c'est trop bien. Merci, merci. Et on a celui-là, pareil, je l'ai testé en petit échantillon et j'avais adoré. Du coup, j'avais mis dans ma wishlist. C'est le gommage végétal poudre d'abricot. Toute peau et en fait on sent vraiment les grains, mais c'est un truc de malade et j'avais vraiment aimé. Du coup je suis trop contente, merci. C'est pas fini, ce n'est pas fini. Je vous fais même plus voir ça. Je pense des rouges à lèvres aussi. Oui. Oh là là. Alors il y a un rouge à lèvres de chez Winnie. Trop bien, rouge à lèvres, ouais, de chez Winnie, il est trop beau. Il y a un rouge à lèvres de chez Belle, donc c'est un crayon, mais c'est pour les lèvres, trop beau. J'adore, j'adore, j'adore. Je vous fais pas de swatch, hein, parce que sinon ça va durer 3 plombes. Là, de chez L'Oréal Paris, le 2, il est beau aussi. Donc je suis trop, trop, trop contente. Merci, merci. Un blush ou une ombre à paupières. Donc, je pense que c'est... Je sais pas. Ça n'a pas l'air d'être une ombre à paupières, ça, si. Non, je pense que c'est un bronzer. Je suis pas sûre. Je sais pas, il n'y a pas écrit. Ou après, on peut s'en servir comme on veut, j'ai envie de dire. Mais bon. Merci, merci. Là, on dirait encore des rouges à lèvres. J'adore les rouges à lèvres, donc... Oui, c'est de la marque... je sais jamais comment on dit cette marque-là. Yend. J'adore cette marque. J'en ai déjà des rouges à lèvres de cette marque. Ils sont vraiment top. Celui-là, c'est le Barra de Labios Bianco. Bon, ça, je vous fais des chouettes parce qu'il n'y a pas besoin d'ouvrir. Trop joli. Merci. Ils sont trop bien, ceux-là. Après, on a le... Non, c'est pas ça, je vous ai dit. C'est le 2C Star Dutch Rose. Et l'autre, c'est le 3A Pearl Fuchsia. Hop. Ah, il est trop beau. Ouh, il est trop beau. Ah, il est super beau. Oh. Merci. Et on a un rouge à lèvres de chez Yves Rocher. Rose poudrée, le 71. Bon, je vais vous l'ouvrir. Si j'y arrive. Si j'y arrive. Mais bon, après, si vous voulez des swatchs et autres, vous me dites en commentaire et je ferai une vidéo. Parce que sinon, ça va durer 3 plombes. Ah, c'est un nude, en fait. Il est trop beau. Ah oui, c'est vraiment un nude. Ils sont super bons. Ah, ils sont trop bons. Ah, ils sont super bons. Merci.
Ils sentaient trop bon. Alors, c'est tout mou. Ah oui, c'est des petites éponges, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je ne sais plus, bon bref, vous voyez bien. Merci, merci, ça, ça sert toujours. Alors, ah, trop bien, bon c'est une mousse de coussin. Je vais essayer de l'enlever. Alors. Ananas, trop belle. Merci. Elle est trop jolie. Merci. Ah, je pense que c'est la troisième palette de chez Nouz. Oui, trop bien. Celle-là, c'est la nude. Trop belle. Elle ressemble un peu au Naked, les palettes. Trop jolie. Merci. On arrive déjà à la fin. Là, il y a trois trucs. Je ne sais pas. Vernis ou rouge à lèvres. Les vernis. Alors, de chez Laetitia Well, pailleté. Golden Rose, mais il faudra que je regarde si je les ai ou pas, parce que j'en avais pris aussi de Golden Rose, donc je regarderai, merci. On dirait un parfum. Ouh, c'est un parfum, oh trop mignon, parfum mini, je vais pas l'ouvrir parce qu'il est fermé, mais trop chou, quoique... J'ai bien envie de l'ouvrir, si j'y arrive. Alors, ah. Comment elle est? Ah, oh, trop mignon. Ils sont bons. Ils sont un peu les fruits. J'aime bien, merci. Je garderai la boîte quand même parce qu'elle est trop mignonne la boîte. Bon ben on arrive au dernier paquet. Hein. Ça y est, c'est déjà fini. Donc le dernier paquet c'est ça. C'est un coffre de rangement. Vous voyez comme ceci. Qui vient de chez Action que j'avais mis dans ma wishlist. Du coup je suis contente, merci. Donc voilà, le swap est fini. Bah merci beaucoup Fanny, franchement trop bien. Bah j'aime tout. Après je te dirai juste si les trucs, les vernis j'ai en double, mais après ça c'est pas grave. Hein. Merci. Donc je te remercie beaucoup pour ce swap. J'espère que le mien te plaira aussi, je pense. Donc bah c'est toujours un plaisir de faire des swaps avec toi, des échanges. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous. Bye.